Passons maintenant à l'outil paragraphe. Concernant l'outil paragraphe, là aussi nous avons une infinité de possibilités pour gérer notre traitement de texte. Par exemple, nous avons ici l'insertion de puces. Si vous voulez par exemple prendre votre paragraphe et séparer ici par exemple les deux phrases que j'ai, je vais sauter à la ligne en appuyant sur la touche Entrée, puis je vais sélectionner tout mon paragraphe, ou bien mes deux paragraphes, mes deux phrases, et je vais cliquer ici sur le bandeau déroulant et choisir une puce. Par exemple, je peux décider de mettre une puce ronde, une rond vide, un carré, etc. etc. Par exemple, nous allons mettre celui-là. A noter, si vous voulez faire des traitements de texte assez personnalisés, vous pouvez ici cliquer sur définir une puce, et alors il vous proposera de mettre une image qui est dans votre bibliothèque d'images de votre ordinateur, ou bien tout simplement sur votre ordinateur ou sur Internet. Vous pouvez aussi passer plutôt en numérotation. Vous pouvez choisir de numéroter 1, 2, 3, etc. avec un point après le chiffre, ou bien avec une parenthèse, ou bien en lettres romaines, ou bien ABC, etc. Vous voyez tout ce qu'on peut créer. Là aussi, si vous voulez personnaliser au maximum votre traitement de texte, vous pouvez définir un nouveau format et choisir vous-même le format du nombre, l'alignement, etc. Et choisir également la police des numérotations. Vous avez ici la possibilité de faire une liste à plusieurs niveaux. Vous voyez la liste actuelle, c'est cela. C'est par exemple, lorsque vous écrivez ici, nous allons revenir en arrière, là. Et par exemple, nous sautons une ligne et nous appuyons sur la touche Tab pour faire une sous-catégorie. Lorsque vous faites la touche Tab, il vous met directement, par exemple, un rond. Si vous rajoutiez encore une phrase, vous allez à la ligne, automatiquement, il vous le considère comme une puce. Mais si vous faites la lettre Tab, vous avancez encore de une sous-catégorie. Et bien l'élément ici vous permet de choisir dans quel ordre vous voulez mettre votre numérotation. Par exemple, si cela commence par des 1, puis des petits a, puis des petits i, puis des 1, etc. Comme ceci. Lorsque l'on fait un cours, c'est assez utile. Évidemment, si vous voulez enlever ces puces, soit vous les enlevez ici en mettant aucune, soit si vous voulez enlever que sur certaines phrases, comme ici, vous vous mettez devant la première lettre et vous appuyez sur la touche retour arrière. Une fois pour enlever la puce, deux fois pour revenir à la ligne, trois fois pour revenir à la lettre, pardon, à la phrase d'avant. Ici, vous pouvez évidemment, alors si on enlève toutes les puces, donc nous allons faire comme ceci et mettre aucune. Vous pouvez aussi choisir d'aligner tout votre texte à gauche ou bien le centrer ou bien l'aligner à droite, ou enfin de le justifier. Justifier un texte vous permet d'améliorer la netteté des pages, car il vous colle votre texte à la fois à la marge gauche et à la marge droite, en laissant des espaces entre les mots, s'il y avait besoin.